out when I switch lanes. Then them doors swing. All out the window screaming money ain't a thing. Hello les bikies, comment ça va? Alors moi ça va super bien, donc oh merde, j'ai pas eu mon casque. Non, je rigole. Bon voilà, vous avez mis ma gueule. What's up, bro? Yeah! Non, je rigole. Alors, donc là, en fait, je vais faire un petit briefing de ce que je vais parler, en fait. Donc, alors, aujourd'hui, on est vendredi. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est la veille de la rencontre. D'accord? Donc là, je vais faire, en fait, le préparatif de tout ce que je vais faire. Je vais vous montrer à peu près la journée type avant ma rencontre, avant la rencontre des motoblogueurs. Parce que je pense que personne n'aura fait. Et donc, du coup, je vais faire ça. Je pense que ça sera pas mal. Donc, alors, j'ai tout d'abord, je vais avoir 3 batteries. Donc là, ça va être pas mal. Je vais avoir 2 GoPro, donc l'Aero 3 et l'Aero 4. Je vais donc filmer. Donc, ben, vous allez le voir. Hein. Ce jour-là, donc tout ce qui est préparatif, donc graissage de chaîne, je l'ai fait. Bon, de manière, vous allez voir, j'ai graissage de chaîne, je l'ai fait, je vais faire, je vais la laver vite fait après, je vais vérifier la pression des pneus, et enfin, ce soir, vous verrez à peu près ce que je vais prendre et tout ça, avec Madame Hectorod qui n'est pas là actuellement. Donc voilà, quoi dire de plus, donc ouais, regardez, donc là en fait, j'ai graissé j'ai dégraissé parce qu'en fait je l'avais jamais graissé la moto. Ouais, ça fait 6000 km et je l'ai jamais dégraissé. Donc j'ai regardé ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est chié dessus quoi. Donc dégraissage, ça s'est fait. J'avais acheté spécialement pour l'occasion une brosse à dents qui a fini comme ça. Ça c'est voilà, donc elle m'a cassé dans les mains, donc du coup j'en avais plein les doigts, c'était dégueulasse. Bon, le chiffon, j'ai dégraissé avec du WMD, WMD, qu'est-ce que c'est ça? WD-40 pour un premier truc, et donc après quand je vais faire le Karcher, je vais passer, voilà. Par contre, les amis, jamais. Ça dégueulasse la chaîne, mais un truc de fou quoi. Là j'ai une photo, je vais... vous allez voir, bah non, vous n'allez pas voir. Mais ça, c'est vraiment un truc de merde. Un gros, gros truc de merde. Bon, il commence à pleuvoir. Ça, c'est pas bon, ça. Bon, ils l'ont déjà prévu. Hein. Ils ont déjà prévu qu'on va avoir la flotte. Donc, je vais... Oh, putain. Si c'est fermé. Heureusement que j'ai pris des sous. Hein. Bon. On va partir sur lavement, d'abord. Un petit lavement anal. Allez, hop. Ouais, il va y avoir la flotte, donc tenue de pluie obligatoire. Ça va être l'obligation totale. Let's go. Voilà. Parce que je l'ai jamais lavé en fait. Bah, j'ai jamais dégraissé la chaîne. Et donc du coup là elle est plus graissée, donc je sais. Ça va être chaud pour rentrer, mais je vais rentrer tranquille. Voilà, sur ça aussi là. Je vais rentrer tranquille, merde. Merde. Ça s'est décollé. Merde. Ouais, mais du coup, voilà. Merde, juste la dernière seconde, quoi. Donc, moins de... Non, moi je suis tout seul. Donc, on va dire 2,90 là. À 2,80. Voilà. Bonjour.
se connaît pas, je crois. Non, on se connaît pas. Non. Ah, non. Ah, je croyais que vous m'avez dit bonjour. Non, j'avais peur que la même. C'est un combien ça? C'est un 500. Ah, non, elle est plus grosse. C'est un 100, pareil, elle est machin comme ouais. Ça. Ouais. C'est un 900, je crois. Ah ouais, 900 c'est bien. 900 Honda, non je crois qu'il y a 1000. 1000 et 650. Alors c'est 1000. Ouais. Ah ouais. Allez, bonne journée. Ouais. Je crois qu'il me disait bonjour. voilà les mecs, regardez. Voilà, regardez, voilà. On est en fin de journée, il commence à pleuvoir ici. Donc j'ai tout graissé, donc la moto est prête. Il manque plus qu'à faire le sac. Bon, j'ai une petite appréhension pour demain. On va voir comment ça va se passer la route avec la pluie, parce qu'à mon avis c'est pas prêt de finir. Donc je vais vous faire un petit aperçu vite fait, bien fait. Voilà, regardez, en gros c'est la merde. Voilà. Et c'est pas le soir que ça. Alors ça en fait, ça va être la tenue de pluie que je vais porter à mon avis au rassemblement. Swag de poule. Bon les mecs, c'est bon, j'ai fini de faire la présentation. Mais tu me gênes toi. Et déjà tu regardes même pas la caméra, donc ça le fait pas. J'ai rien fait. T'as vu comme c'est stressant. Alors salut les mecs, j'ai préparé mon sac à dos pour partir à l'Auvergne. Voilà, Bikies Family, aouh. C'est fini. Bon, j'ai préparé mon sac pour partir en Auvergne avec tous les collègues. Donc, j'ai pris un jean, deux t-shirts, des chaussettes. J'ai pris un slip. Non, après, j'ai pris un truc pour le froid. Donc, tour de cou, sous-gants. Je vais mettre les gants là dégueulasses pour la pluie parce que les autres, c'est des gants d'été et du coup, la pluie va transpercer. Le mec, il va au pôle Nord. Ben ouais. Et voilà, et donc là je suis paré, il me manque donc la combinaison de pluie à mettre dedans qui va être un peu compliqué à ranger, mais il faut que qu'elle soit à portée parce que là, à mon avis, il va pleuvoir, c'est prévu. Donc du coup, à mon avis, celle-là, ça va être le meilleur ami de Bike to Road durant le trajet. Voilà les mecs, donc moi je vous dis à demain matin, j'essaierai si je suis pas trop, j'ai pas trop la tête dans le cul. De vous interpeller à 6h dès que je me réveille pour le petit briefing avant le départ. Bon là ça va, je suis à l'aise, j'ai hâte d'y aller. Voilà les mecs. Mettez-en en scène. Arrête de bouger. J'ai la trompette. Arrête de bouger là. Mais en plus, ça je fait... regarde même pas la caméra, le mec il est là. Ouais. Mais laisse-moi. Ouais. Bon les mecs, à demain. Moi je vous dis bonne nuit la bikies. La bikies. On commence. Parce que non, à demain les bikies, voilà. Oui, je refais ça. Bon les mecs, je vous dis à demain. Bon les mecs, je. Mais regarde la caméra, ça fait. Bon les mecs, je vous dis à demain. Hein. Bon les mecs, je vous dis à demain matin. Donc 6h normalement. Bon voilà, allez, à demain. Ciao les mecs, ciao. Bon voilà les mecs. Il est 6h16 avec un magnifique lever de soleil. Je me prépare à partir, donc là je vais mettre de l'essence. Et voilà, j'ai eu du mal à me réveiller. Eh re les gens. Ouais bon là je suis au plateau du Larzac en fait, donc là en fait j'entends plus rien. J'ai fait à peu près 100 bornes et là je m'arrête parce qu'en fait le temps s'alourdit et il fait de plus en plus froid, donc je vais mettre la combinaison de pluie, je vais tout protéger parce que là je sens que ça va tomber avant que je parte. J'ai fait une petite pause pipi et une pause goûter, enfin une goûter, il est 7h mais bon. Voilà, allez les mecs, à plus. Ah oui, regardez, je me suis fait canardo. Regardez. Alors si ça s'appelle pas un génocide, je m'appelle pas Richard. Ah, une moto, j'entends une moto, peut-être qu'il va au ressort. Allez, ciao les mecs. Bon, petite pause pipi. Ensuite,
J'ai appelé tout le monde pour pas qu'ils s'inquiètent, hein, quand même. Je suis toujours combiman, même s'il pleut pas et juste qu'il fait super beau. Mais regardez, je voulais vous faire partager vite fait le paysage. Voilà, il n'y a que ça, c'est que de la verdure, c'est que des sapins, c'est super beau. En fait, dans le sud, on n'a pas ça. On n'a pas ça, donc peut-être que les gens qui habitent là ou dans les environs et qui connaissent cet environnement, ils se disent « Oh ouais, mais c'est normal !» Mais faut savoir que chaque région a ses... assez les écosystèmes et du coup voilà quoi, mais franchement c'est super beau, il y a des viaducs partout, ça me fait tout drôle quoi. Et là je suis sorti de l'autoroute, j'ai pris la nationale, donc bon là l'autoroute ça s'est bien passé, j'ai rien eu, j'ai pas eu la pluie en fait, donc quand je vous ai fait la vidéo en fait, il y avait un gros, presque un orage qui était en train de s'abattre sur moi, comme Astérix. Et non, finalement, 3 km après, plus rien. De beau soleil, j'avais l'air d'un gland, quoi, avec mon truc. Donc voilà, donc j'ai passé le pont de Millau, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai raté la sortie, je savais pas où elle était. Et bon, voilà, donc du coup, j'ai payé 0 parce que là, c'était une autoroute gratuite, j'ai juste payé 4,20€. Pour le pont de Millau, pour le passage. Donc bon, ça fait plaisir de parler parce que pendant ça fait 200 bornes que je parle pas. J'avais un peu les dents qui grincent quoi, tu sais, comme un drogué. Non voilà, regardez, oh là là là, il fait super beau quoi. Avec bon la route est un peu trempée, c'est pour ça que j'ai pas penché. J'ai pris là actuellement j'ai la visière claire. Et bon, je suis un peu ébloui, ça me change un peu de la visière fumée. Mais bon, j'ai pris les deux dans la gourde. Et voilà, donc là, je vais rejoindre. Enfin, on va se donner rendez-vous. Normalement, je vais être premier là, pour une fois. Ouais, normalement, ils arrivent à 9h30. Donc, je vais rejoindre The Phone MT, Mr. Joe. Donc, ils sont sur la même moto, hein, parce qu'il va pas venir en 50. Il va pas venir en 50, quoi. Et normalement, si j'ai tout suivi, normalement il y aurait Monsieur Marty qui aurait dû venir avec nous. Donc je sais pas. Donc on va voir. Peut-être que je vais voir Monsieur Marty. Mais je voulais juste vous faire profiter un peu du paysage. Pas auvergnat. C'est encore l'arrière-pays révolté. Donc c'est super beau, voilà. Et je suis vraiment waouh, c'est super beau. Alors voilà, en compagnie de Mr. Joe, The Phone MT et Monsieur Marty, on va se rendre donc au point de rendez-vous des motovlogueurs. Ça va être super cool. Ah les mecs, en les attendant tout à l'heure, il y a eu les flics. Genre ils ont fait genre limite une course poursuite. Et en fait ils ont voulu arrêter une voiture à la station essence. Et genre en fait parce que elle avait utilisé le téléphone. Et donc en fait elle utilise tous les téléphones et tout. Et à un moment elle sort la femme. Au début je la voyais pas, tu vois, de loin, tu vois, je voyais pas. Putain, c'était une bonne sœur. C'était une bonne sœur qui s'est fait arrêter quoi. Ah, j'étais mort de rage, je fais non, c'est pas possible, non. Et ben si, et ben si. Et du coup, ben voilà. Bon, après, elle est venue, elle a pleuré, tout ça, quoi. C'était plutôt cool, et voilà. Et donc, du coup, on y va. Ah, je suis content. Et j'ai pas trouvé de. Tout le monde, il me regarde et ils savent que je parle. Allez, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, les mecs. Bon, voilà, me revoilà. Donc là, on va à Saint-Flour. Et on va rejoindre Silk Lucas F911 ou F9100. Je sais jamais son pseudo. Ride to Dream. Ride my dream, pardon, excuse-moi mec, excuse-moi.
Et voilà, donc grosse arsouille, hein, il y a eu de la arsouille pas très gentille, on va dire. Mais ça va, je m'en suis bien sorti. Mister Wheeling devant. Ça c'est le ah c'est fou comment il lève. Le truc, on dirait qu'elle fait 300 kilos la moto, et le mec il lève limite avec sa bite quoi. Ah, je te promets, c'est super impressionnant quand il lève. Bon, là on commence tous à en avoir un peu marre là. On a les bras qui s'engourdissent, on a les mains qui s'astiquent de partout. Ah, moi j'ai des crampes aux doigts, enfin voilà quoi. Donc en fait non, c'était pas Saint-Flore. Ah, j'ai mal au cul aussi. C'était pas Saint-Flore le rendez-vous, mais à mon avis c'est pas loin. À mon avis. Eh, n'empêche, il y a des beaux paysages. Il y a des très très beaux paysages. C'est vraiment un endroit où je reviendrai. Je reviendrai faire une balade avec madame, parce que sans arsouiller même, il y a des... excusez-moi, il y a des super belles vues. Tout à l'heure, on a vu le viaduc que Eiffel avait construit. Ben voilà quoi, c'était franchement c'était bien quoi. Donc là on monte, on est à peu près à 1h30 de l'arrivée. Au fond, au loin, je voyais des... Hop hop hop, il va faire un wheelie. Non, je rigole. Au fond il y avait la neige, donc j'espère qu'on aura quand même pas la neige, ça serait... Donc voilà, tu vois, les routes sont sinueuses comme ça, je les connais pas. Il a plu, donc moi j'ai un peu peur quoi, voilà. Eux ils sont déjà là-bas, moi je suis là, papy bikies quoi, je me fais toujours attendre. Ça devient... Oh putain, une pique vierge. Oh, la pique vierge. Oh, oh, c'était la Vierge Marie. Ah, celle-là c'est une pique vierge, celle-là. Ok. Donc là on est bientôt. Regardez là-bas, au fond. Là-bas, au fond. Il y a la neige. Au mois de mai. Ah, vous savez à qui il me fait penser, The FODMT, à l'arrière là? Parce qu'il est encore à l'arrière de Mister Joe. Tout à l'heure il était à l'arrière de Monsieur Marty. J'ai eu un truc comme ça, il me fait penser un peu à Frodon. Ok, alors là on va à Saint-Saturnin ou Saint-Bonnet-Conda ou soit Conda ou soit, je m'en rappelle plus, mais on y va. En attendant c'est beau, mais il n'y a personne, on voit vraiment que c'est que c'est une zone, comme on avait appelé ça en géographie, une zone avide ou une désertification de population. Regardez, il n'y a rien autour quoi. Mais ça c'est beau, ça c'est vraiment superbe, il n'y a que des vaches. Alors je vais essayer d'en imiter, attendez, je vais... Ça va être pour Black Cat. Je sais pas si je l'ai bien fait quoi. On va refaire. Ah non, c'est H. Mec, il inverse les animaux quoi. Bon, je crois que on va pas les voir, Silk et tout ça, parce que là on est au milieu de rien. Donc à moins que Ray My Dream s'est encore cassé la gueule et qu'il est là au milieu des pâturages. Ah, mais sa moto elle aime bien tomber hein. Mais là peut-être que là, comme ça va être de l'herbe et tout ça, peut-être elle est herbivore et peut-être qu'elle veut goûter l'herbe, on sait pas. Non, je rigole. Bon, il y a plein de vaches, oh putain. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'elle était sur la route celle-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, franchement j'ai mal au cul quoi, mon anus il respire plus. Et quand mon anus respire plus, rien ne va plus. C'est la devise. Bye to road. Waouh.
Waouh, putain, j'en reçois de la terre, des trucs. Je voulais m'excuser par avance si jamais ma lentille de GoPro est dégueulasse. C'est parce que là, on se reçoit des milliards de trucs dans la gueule, quoi. Voilà. Forêt Sherwood ou dans Game of Thrones. Et attention. Waouh, les amis, regarde ça. C'est beau ici. On se croirait reculé quoi, au Moyen-Âge ou un truc comme ça quoi. Waouh. Franchement ouais, ça me fait penser à Sherwood quoi. Ah, c'est magnifique. Dans la forêt hein. Bon, par contre il fait froid. Mais waouh. Ah ouais, c'est beau. Le Breton, c'est pour toi ça. Le Breton 56. C'est pour toi tout ça. La prochaine fois, l'année prochaine, tu viendras. Parce qu'il a pas pu venir. Il est deg, il était deg. Donc dans les commentaires, une petite pensée pour le Breton 56. Voilà, ça c'est pour toi. Et il y a des virages bien quoi. Donc s'il aurait fait beau et que j'aurais eu des bons pneus. Ah, on s'arrête. Pose photo peut-être. Ah non, pose dégourdissage de jambes. Oh yes. C'est du granit. Oh les amis, c'est beau. On se croit en automne encore quoi. On y est. On va mettre de l'essence. Bon, il fait moche. Il fait moche, tant pis pour nous. Mais bon, c'était prévu. C'était prévu que qu'il fasse dégueulasse. Bon. Ça fait plaisir d'arriver. Les mouflons, je me rappelle plus comment il s'appelait ce truc. Ok. What the fuck? Ok. On est où là? Le truc, il n'y a rien au kilomètre carré. Là, on arrive. 3 Porsche, quoi. Waouh. Alors, ok, c'est une caisse. Avec une carte de crédit. Il y a tout le monde. Pichoco. Et je crois qu'on est les derniers en plus. Il n'y a pas une pierre ou un truc comme ça, là? Ouais, c'est ce que j'ai. Ah. Ah merde, il est trop gros celui-là. Ah, yes. C'est ta pierre? Hein? C'est le mec qui vole les pierres et tout quoi. Ok. Salut Mike Toron. Donc voilà, il vient d'arriver. Donc petite chambre sympathique. Chambre 7. Pff, je crevais. Bon, je sais pas si on m'entend trop, alors j'évite de parler fort. Voilà, donc là on va voir ce qu'on va faire. Et puis ben, voilà, mon voisin c'est Monsieur Marty. Excusez-moi du peu. Voilà, donc. À tout à l'heure. Bon voilà les mecs, alors là on est à fin de journée, on n'a pas fait le balade cet après-midi parce qu'il faisait moche, donc du coup on a papoté, on a fait des trucs tranquillement, on a fait du billard, j'ai explosé The Fun MT 2 fois et voilà, sinon là on va se préparer pour les Motovlog Awards, donc je peux pas trop filmer parce que comme il y a beaucoup de personnes qui tiennent à leur anonymat, je pourrais pas tout flouter, donc je vais pas filmer. Je pensais que j'aurais pu filmer, mais j'ai non. Donc du coup, je vous mettrai la lien dans la description s'il y a une vidéo des Motovlog Awards en replay. Donc je vous les mettrai en lien. Demain, normalement, bah là il s'est arrêté de pleuvoir. Ouais, il s'est arrêté de pleuvoir.
Et voilà, bon, je peux pas trop parler fort parce qu'il n'y a pas trop de. Tout le monde entend en fait. Donc voilà, donc je parle pas trop fort. Et demain, je vous ferai un gros montage de la balade entière presque, ou quasi entière, puisque j'ai encore deux batteries. Et plus une autre, donc j'ai pas mal de quoi faire, de quoi faire, les mecs. Donc je vous dis à ce soir et je vous mets le lien dans la description des Motoblogger Awards. Allez, à plus, les mecs. Ciao, ciao, ciao! Allez, on est sur le départ. Voilà, bon, c'était super bien, super cool. Allez, au revoir! Au revoir! Bon, donc là il pleuviote, il pleut. Bon, c'était super. Voilà, donc j'ai pas pu filmer de balade, j'ai pas pu de filmer puisque hier, d'une part il a plu fort hier et j'étais fatigué, j'avais pas envie de me risquer à faire une balade sous la pluie quitte à tomber. Et puis là, ils avaient prévu une ce matin. Et ce matin, j'avais envie de. Je sais pas, j'étais pas chaud. J'allais. Là, je vais me taper 6 heures de route. Et j'avais pas envie de faire une balade en plus que. Voilà, j'étais pas prêt psychologiquement. Bon, bref. N'empêche que. Du coup, j'ai pu profiter de. Pas mal de personnes. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de venir. J'ai vraiment vu la convivialité et le fait que tout le monde, tous les vlogueurs se parlent, plus ou moins se parlent et tout ça. Et l'esprit bon enfant était vraiment là au rendez-vous. Voilà. Donc après, concernant la soirée, donc elle sera retransmise, hein, je vous mettrai le lien de la retransmission. J'ai pas pu non plus la filmer puisque il y avait beaucoup de problèmes d'anonymat et si je l'aurais filmé, ça aurait été que tout flou. Donc bon, je me suis en plus c'était dans le noir donc on allait rien voir et du coup j'ai préféré pas filmer. Mais je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier les Brop pour leurs travaux vraiment. Génial, le travail qu'ils ont fourni était vraiment au rendez-vous, génial. Et ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mots pour dire la qualité du rendu qu'ils nous ont donné. Ensuite, je voulais féliciter Tony Barb pour ses montages et ses travaux aussi concernant les Motovlog Awards. Donc il vous a fait des trucs, mais... Je sais pas comment il a fait, donc vraiment bravo à toi. Tu fais du super boulot. Et enfin, je voulais remercier Tiki pour avoir organisé ça, organisé cette rencontre. Merci. Je voulais aussi tout le forum Motovlog avec qui ça n'aurait pas existé. Et ça m'a fait super plaisir de voir Cyril, de voir quelqu'un, de voir. The Phone MT, de voir Joe Lapoule, de voir tout ce qu'il y avait, tout le monde, des anneaux, Tony Barb, Slyduck. J'ai mis des visages sur des jambes, Monsieur Marty. Et ça me fait super plaisir de mettre un visage. Moi, vous avez vu, je me suis mis à découvert. Pourquoi je me suis mis à découvert? Tout simplement parce que. Avant, je faisais des daily observations et du coup, j'étais un peu en tort sur des choses. Disons, je foutais pas les plaques, j'engueulais, voilà. Donc, et là, comme je fais des vlogs et que j'embête personne, je vois l'intérêt de se montrer. Puisque comme ça, vous pourrez voir un visage sur une voix. Et ça, je pense que c'est mieux. Sinon, voilà, j'ai pas profité des paysages. Lors de la balade, mais j'ai profité quand même là maintenant et je peux vous dire que en Auvergne je reviendrai parce qu'il y a des paysages de folie, des paysages que je vois pas moi là-bas. Dans le sud on n'a pas des paysages verts comme ça avec des hauteurs de
autant de montagnes, autant de... Et ça c'est... j'ai passé des viaducs, j'ai passé des trucs, waouh. C'était vraiment un week-end, j'ai fait là, j'ai fait 400 bornes, je vais refaire 400 bornes, donc j'ai fait 800 km dans le week-end. C'est fatigant, mais ça valait le coup. Sérieusement, c'était le truc à pas rater pour un motovlogueur. C'était la consécration. J'ai été nominé une fois, j'ai été nominé au meilleur pétage de câble avec l'histoire du connard à Narbonne. Voilà, donc regardez, putain, c'est super beau. Donc j'en profite pour faire un petit vlog maintenant. Hein. On a le temps, hein, je vous ai dit 40 minutes, mais je pense que la vidéo va faire une vingtaine de minutes. J'ai pas fait la vidéo de balade, donc je les laisse aux autres. Franchement, si pour les vlogueurs qui nous écoutent et qui sont pas venus, venez, la prochaine fois, venez. Même en voiture, venez. Il y en a qui s'étaient venus en voiture, il y en a un qui est venu de Suisse, les mecs. Donc pour dire que il n'y a rien qui est impossible, on n'était pas obligé de faire une balade, on est resté, on était une trentaine à rester. Voilà, je veux dire, c'était vraiment un esprit bon enfant, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien. Donc sur ce, je vais vous laisser avec un petit montage de la route, de la petite route tranquille. Et moi je vous dis donc... À bientôt à la fin de l'autoroute pour vous dire au revoir et voilà et puis encore merci de me soutenir, encore merci d'être là au quotidien. Vous êtes maintenant, dès que j'ai regardé ce week-end, j'ai regardé, on était 2444 et waouh, ça monte là maintenant, ça monte à une vitesse. Donc tous les nouveaux, tous les jours qui m'ajoutent sur Snap et tout ça, bienvenue. Voilà, donc les mecs, je vous dis donc à tout à l'heure. On va rouler tranquille parce que là il pleut et j'ai pas confiance à la route. Les mecs, ça y est, je suis arrivé, enfin, presque arrivé, il me reste 10 minutes, voilà, je vais d'une traite, depuis que, en fait, j'étais avec Zephone MT, et lui il est parti direction Mende, et moi j'ai continué, donc j'ai fait 2 heures solo, et voilà, après je suis passé sur le pont de Millau et tout ça. Et là en m'arrêtant, je viens de remarquer que là. Ouais, j'ai fait carrément le génocide. J'ai remarqué que la lentille était crade, donc je sais pas quand je me suis foiré.
Du coup, peut-être que vous aurez pas le pôle Mio. Ou alors vous aurez une grosse tache. Et on verra si je la mets ou pas. Mais enfin, je sais pas si ça a été avant ou après le meurtre. Voilà, donc